peuple haïtien en général. N'a salué la presse, n'a salué tout média en ligne, n'a salué les médias internationaux qui déplacent, qui viennent là tout. Et aujourd'hui, qui c'est le 1er mars 2024, nous coupons nous bien bas devant la famille, policiers qui mourent dans le cas d'affrontement et dans la bataille qui a mené pour libérer le pays. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous vivons ensemble, nous présentons toutes condoléances et toutes sincères condoléances avec la famille policière et qui est victime. Et nous avons profité de la police nationale d'Haïti que la bataille s'est menée en face de la police nationale d'Haïti. D'ailleurs, 95% pour pas 100% monde qui fait partie de la police nationale d'Haïti, c'est les gens qui sortent dans la même couche sociale avec nous et c'est les gens qui sortent parmi les gens qui sont mal. Ça veut dire que ça, nous avons intérêt et que pour nous protéger les policiers. Et dans la nouvelle Haïti qui est prônée, les policiers sont en déplacement. Nous profitons des policiers pour ressaisir. Ressaisir, même si nous même des nous ressaisissons et nous identifions les vrais ennemis. Je dis que ce n'est pas nous-mêmes qui avons des âmes là, mais nous qui sommes ennemis de la police nationale d'Haïti. Vrai ennemi de la police, là, c'est nous qui avons des policiers là dans même et que pour acheter matériel pour nous travailler. Vrai ennemi nous, yo, c'est nous qui sommes là pour nous assurance, l'hôpital, l'école gratis pour petit nous pas jamais faire. Vrai ennemi nous, yo, c'est nous qui sommes dans l'organisation de la monde qui a fait arrêter nous, révoquer nous dans mauvaises conditions. Vrai ennemi nous, c'est moun lè nous mouri après deux mois yo coupé chèque là. Moi même qui parle là en tant que policier en GSLC, combien madame policier, combien petit policier et que nous toujours continuer à aider parce que la police là gagne pas prendre soin nous. Monsieur policier, bataille ça est bataille nous lié. Nous avons une opportunité qui présenter devant nous. Pour nous laver visage devant le peuple. Pendant que nous crions pour frère nous mourir, moi-même, je passe l'étape ça déjà, je connais qui ça nous senti. Mais est-ce que nous connaissons et que nous sommes complices dans ce qu'a fait là? Les nous avons sécurisé une série de ministres qui ont déchappé l'argent pour l'argent pour acheter matériel pour nous travailler. Les nous avons sécurisé une série de directeurs généraux, nous connaissons ces volets, oui. Et eux même qui vrai gang, et eux même qui vrai ennemi nous. Je dis à laver visage devant le peuple là, arrêtez Ariel. Si c'est vrai et que nous voulons faire des choses pour le pays et pour les policiers, nous tous net militaires, pour nous mettre nous ensemble et puis nous dire bon, vrai ennemi, nous, c'est le gouvernement, ça, nous avons débarrassé le pays de Ariel Henry, nous avons arrêté Ariel Henry et que nous sommes ensemble pour nous garder comment pour nous chita pour nous reconstruire le pays. Nous avons des peuples haïtiens, le gouvernement n'est pas en face de nous. Il y a toujours des dommages collatéraux qui arrivent. Ça qui arrive, les missions sont dans la rue. Des balles qui tirent, on malheureux qui a pris balle, ce que nous déplorons. On malheureux qui a cherché la vie qui a pris balle, ce que nous déplorons encore. Mais cependant, nous avons une volonté manifeste côté que pour nous détruire les gens qui semblent nous. Nous-mêmes, nous avons identifié l'ennemi. Le vrai ennemi, c'est le gouvernement, c'est le ministre, c'est le directeur général. Les gens qui ont une responsabilité et qui promettent la sécurité dans le pays, ça qui n'est pas fait. Les policiers ont sécurisé un premier ministre qui n'a aucune légitimité. Mandat, Ariel n'a pas de mandat. Ariel a dirigé grâce à un accord qu'il a signé. Côté qu'il a dit 7 février, il a quitté le pouvoir. 7 février arrivé, un grand dictateur, Ariel qui a le pouvoir. Ça veut dire qui ça? Avec quelle légitimité Ariel qui a supposé chef CSPN a dirigé nous? Monsieur, pensez à madame nous. Pensez à petit nous. Pensez à monde qui sont dans la même classe sociale avec nous. Connaissez pas nous-mêmes qui sommes nous. Peuple haïtien, prends la rue. Nous demandons pour nous prendre responsabilité. Nous prenons responsabilité. Et nous pensons qu'il n'est pas là. Nous commençons hier. Nous continuons aujourd'hui. Nous continuons après. Mais si vous le faites 2 mois, 3 mois, si vous le faites 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que non seulement nous jouions bout Ariel Henry, l'enfin capoter Ariel Henry, il faut que nous arrangeons pour nous capoter le système ça qui là. Chaque jour, nous avons plein de systèmes. Mais en pile, nous vivons de système. En pile, nous avons fonctionné grâce à ce système. Un système est méchant, un système qui est un petit groupe de monde contrôler toute richesse pays. Un système côté que c'est sous couleur peau, c'est sous nos familles, qui relation sociale ou bien qui détermine qui job yo kaba ou qui sont kaye. Un système c'est 5% monde qui gagne toute économie pays à l'amen. Oui, jodia nous conscients, nous même comme nous qui gagne zam l'amen nous, grand pile groupe armé qui fait un pile bagaille, qui pas fait société à plaisir.
C'est peut-être ça, vous prenez conscience aujourd'hui. Nous disons dans le fond bataille pays, non seulement nous avons capoté Ariel Henry, nous avons capoté le système, dans la nouvelle Haïti, il y a une série d'actions qui concrètes qu'on a commettre pour ne pas commettre. Peuple haïtien prend la rue, social manifesté. Ariel a 3 ans à faire violence sur nous. Je dis à fois que nous prenons la rue pour nous faire légitime violence sur Ariel. Machine l'État, yo, c'est bien nous. Yo, mais nous prenons le directeur général, nous prenons le ministre, n'importe qui. Policiers qui ont sécurisé les ministres, s'il vous plaît. Pensez à madame, nous petite parce qu'elle balde, n'importe qui. Nous prenons une minute. N'importe qui, nous balde un ministre. N'importe qui, nous balde un directeur général. Et là, nous avons une yo, ou même en tant que policier, ou qui a pour obligation pour protéger. Mais nous-mêmes, nous avons pour obligation tout pour nous libérer le pays en bas, grippe pour nous. C'est ça qui a causé des affrontements entre nous-mêmes avec la police. Pour nous, nous-mêmes, policiers, retirez-vous de l'aide de nous. Sortez de Eric Capierre, retirez-vous de Majorie Michel, sortez de Edmond Supplice Bozil, retirez-vous de Majorie Michel, sortez de Rosemilla Petit Frère. Suspendez protéger André Michel, suspendez protéger Ariel Henry. Comment ça va arriver dans le quartier populaire? Comment ça va faire dans le menu? Comment ça va sortir? Qui est-ce qui mette? Je dis à ce même gouvernement qui met des armes dans le quartier populaire pour déstabiliser le gouvernement. Et bien, c'est le même gouvernement ça, je dis à là, qui besoin retirer les armes dans le menu, monsieur. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est responsable? Et peut-être ça, je vais demander nous, peuple haïtien, sorti, à manifester, manifester à toute haine nous. À toute rage nous, à toute colère nous. Et pour être à nous-mêmes coupables, nous avons sorti. Nous avons sorti avec toute rage nous. Nous avons sorti avec toute colère nous. Parce que n'importe quel jeune, bout à rien, et pour jouer un bout de système ça. Il faut que nous reconstruisions l'autre Haïti. On Haïti côté qui a travail pour tout le monde, qui a sécurité. On Haïti côté qui a l'école primaire gratis pour tout le monde. On Haïti côté de quartier populaire. Ce n'est pas ZAM ça qu'on a pour jeune garçon. Mais c'est métier qu'on a pour être capable de servir le pays. ZAM ça. Vous mettez dans le quartier populaire. C'était pour nous tuer l'autre. Je dis à nous utiliser les armes pour nous libérer le pays. Encore une fois, nous demandons aux parents. Nous connaissons l'éducation, c'est clé allié. On dit qu'on parle à l'école, on dit qu'on parle éduqué et il n'y a pas utile société, il n'y a pas utile tête, il n'y a pas utile famille. Mais cependant, il faut que nous apprenions à faire sacrifice pour le pays. Pas jamais des sacrifices qui sont trop grands. La bataille, ça l'a longue, l'a duré autant qu'il faudra. N'a pas qu'un bébé bataille et n'a pas qu'un bébé bataille. Peut-être ça, pour éviter dommage pour la terre, qu'un bébé bataille là. Parce que, n'a pas attaqué Ariel Henry en pile force, n'a pété tout ça nous gagne, toute stratégie nous dehors, et que pour nous attaquer Ariel Henry jusqu'à ce que nous joignons enfin et pour voir ça. Encore une fois, peuple là, nous gagne droit sortir pour nous manifester. La police, quitter le peuple à manifester. Quitter le peuple à manifester. Retirer quoi nous, les avons chercher munitions, nous avons essayé les policiers qui ont mouru. Nous pas cible pour les gazam. Nous avons cible pour côté nous garder. Encore une fois, peuple haïtien, et mon capable à se dire, Michel, c'est barbecue. Nous avons parlé dans nous, vivre ensemble. En nous vivre ensemble, pour nous voir comment nous sommes capables de libérer le pays. Mais entre-temps, il y a un premier ministre Ariel Henry qui a déjà signé un accord ensemble avec le pays Kenya pour gagner une force multinationale qui déploie sous territoire. Vous avez une lecture de ça? Et Ariel Henry n'a pas aucune légitimité pour le signer aucun papier. Ariel Henry sous pouvoir grâce avec la communauté internationale, spécialement les États-Unis, le Canada, la France. C'est grâce avec le groupe qui est Ariel Henry sous pouvoir et que côté qui a besoin de mener le pays vers une occupation déguisée. Mais pour ça, il prend prétexte que y a une force multinationale qui décide de tirer gang, qui décide de tirer bandit. Si les États-Unis, si le Canada, si la France, si le groupe en général, tu voulais aider Haïti, tu voulais décider de gang, le premier gang qui a arrêté, c'est Ariel Henry. Avec tout environnement, Ariel Henry, son gang, tout gang. Ariel Henry, et participer à l'assassinat d'un président. Il a monté le système de justice gang et que pour lui, il n'y a pas fait sur le mot président. Encore une fois, et nous-mêmes, groupe armé, nous, là, nous sommes petits de Saline, nous promettons jusqu'à la dernière goutte sans nous parce que faut nous jouer une libération. Et si vous avez une victime de nous, est-ce que vous avez une capacité pour nous faire un mouvement? Et vous avez une stratégie. Qui force venir, qui force pas venir, la bataille n'a pas fait à la continuer. La police n'a pas fait la police. C'est plus la population civile là qui est victime, les gens que nous, 3-10 ans que nous targetons, ils ne sont pas victimes. Et je pense que
tout leader communautaire, tout chef, parfois les soldats dans la rue, chef là dans la rue. Nous même encore nous déplorer ça qui passé, nous demander des populations excuses et nous dire yo met faire nous confiance et pas eux même qui cible nous. Au contraire, tant pour n'a courir quitter caï nous pour négamer pour ça pas tout prendre la rue nous toile Ariel. Fait Ariel ban côté pour nous rester parce que c'est Ariel qui était supposé mettre conditions et que pour nous gagner sécurité et que pour nous être la caï nous. C'est Ariel qui était supposé et contrôler les douanes. Pour zam pas rentrer dans pays pour munition pas rentrer s'il pas fait parce que il gagne intérêt là-dedans pas courir quitter caill nous prend la rien arranger nous déchou carrière à tout ministre à tout directeur général nous qui victime dans nous dans ça passé hier et l'a goumé et a toujours des victimes dans tout temps et victime ou pas c'est pas ça qui est important. Ça qui est important c'est moral nous beau fixe c'est n'a kembe moral nous et que la bataille nous a mené, nous avons perdu 200 nègres, nous avons perdu 500 nègres, nous avons perdu 2000 nègres, nous avons libéré le pays en bas, nous avons crassé le système. Prochaine étape, c'est qui ça dit, est-ce que vous avez la rue avec la population? Prochaine étape, c'est chercher les munitions côté vous et Jean Yovlen là pour nous venir avec vous. Jean Yovlen. Et c'est machine l'État pour nous et nous avons décidé de nous emmener qui ça n'a pas avec et c'est arranger nous. Et pour bureau l'État a été fermé jusqu'à ce que corps groupe là à communauté internationale là rendu à l'évidence que Ariel Henry pas carrette là peuple a vomi Ariel Henry pas de Ariel Henry. Il y a des incidents qui passaient dans zone airport là que mon accusé que il y a des avions qui recevaient des balles qui recevaient des tirs et qui opinion face à ça parce que il y a des gens qui traitent ça de terrorisme. Et les pouvoirs gouvernementaux ont dit Nelson Mandela est terroriste là. Il faut abouer contre le système, il y a beaucoup tout non. Et ça fait ça pas déranger nous si on dit terroriste. Mais en ce qui a trait à ça qui passait dans l'aéroport hier, là, et t'es qui balle qui t'a tiré les deux côtés. La police t'a tiré des groupes armés qui t'a tiré. Les policiers t'a tiré dans toutes directions. Et il est difficile pour nous dire est-ce que c'est groupes armés qui tirent sur l'avion ou du moins est-ce que c'est une balle par la police et que qui arrive à atteindre l'avion. Mais n'importe gens lien et vous me gagnez. Et nous assumer tout ça qui passe dans le pays ailleurs. Nous vivons ensemble, nous assumons et nous continuons à gommer et attaquer à venir. De temps en temps, jusqu'à ce que nous jouions le bout d'Ariel. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont été croyés que démarche ça, c'est une démarche pour nous rentrer l'argent dans les autorités. Et songez pour répéter ça. Nous avons un système qui est extrêmement puissant. Nous avons un système qui est extrêmement fort, qui a un grand argent dans les mains. Côté que vous avez utilisé les gens sur les réseaux sociaux pour détruire nous. Vous avez utilisé les médias traditionnels pour détruire nous. Et ça fait que chaque mouvement que nous faisons, c'est toujours même parole là. Nous camper pour nous faire l'argent et que pour nous poser ou bien pour nous craser le mouvement. Ça, c'est toujours menti. C'est machine, nan, c'est système nan, qui a utilisé mode en mensonge yo, pour nous détruire la lutte réelle que nous-mêmes nous menons. Et nous ne pouvons pas offrir l'argent. Et nous vivons ensemble et nous arrangeons nous pour nous gagner des nous arrangeons nous pour nous gagner des munitions. Nous. Et je tiens à faire une bataille, à faire une bataille pays. Pigou force nous, c'est parce que nous n'avons pas de patron, nous n'avons pas de boss. Vivons ensemble, nous décidons tout ce qu'on fait ensemble. Et l'un n'a bien pour nous replier, si ensemble n'a bien pour nous replier, si n'a bien pour nous avancer, n'a pas avancé ensemble, si n'a pas mourir, n'a pas mourir ensemble. Encore une fois, nous n'avons pas de boss. Nous même nous c'est boss tête nous et n'a mené bataille ça jusqu'au bout. Discours nous il pas différent des discours qui fini qui a prôné une révolution. Est-ce que ça veut dire nous gagne contre la France avec nous parler avec ce mouvement ça nous déclencher? Et moi répéter ça à maître puisque moi même Jimmy chéri c'est barbecue personnellement. Par contre si bon l'autre on en vivant ça gagne contact avec monsieur Guy Philippe et m'a aucun contact avec monsieur Guy Philippe mais par contre moi respecter monsieur Guy Philippe pour ça représenter dans pays pour bataille il fait déjà. Et bon, c'est même en tant que journaliste qui là, l'on regarde le pays, on ne peut pas foutre les fiers. L'on regarde ce qui passe dans le pays à nous, honte, humiliation que nous prenons devant l'autre peuple, dans l'autre pays. Qui est-ce qui mène nous là? Mauvaise gouvernance. Ça qui mette nous là? Corruption, volet, politiciens traditionnels, méchants, gangs, ça y est, et qui mène le pays là. Et Guy Philippe, ils sont haïtiens conséquents. Guy Philippe, remet le pays, et normal, tout le monde qui est Haïti a toujours le même discours avec. Merci beaucoup. Image là. Un peu image là. Faut-il back.